Bonjour, l'un des plus grands vignerons français de passage dans le pays d'Ancenis, Alain Brumont, était l'invité récemment du 7 de table à Mésangers. Ce restaurant, qui est aussi une cave, organise chaque deuxième jeudi du mois des soirées dégustations gratuites autour du vin. Alain Brumont, c'est Alain Brumont, entre guillemets, c'est le Pétrus du Madiran. C'est lui qui a apporté les lettres de notoriété au Madiran, qui a fait renaître une appellation qui était peut-être un peu austère pour ceux qui la connaissaient avant. Alors maintenant, on va même presque plus parler, non plus de Madiran, mais de Montus, hein, parce que Montus, c'est le haut de gamme du Madiran d'Alain Brumont. Ça reste appellation Madiran, mais c'est tellement évolué, c'est tellement qualitatif que ben, voilà, ça a une lettre de notoriété. Ça sort devant les grands vins de Bordeaux. C'est vraiment une excellente reconnaissance. Alors nous, Alain Brumont, ce qui nous intéressait, c'était de travailler aussi sa gamme, parce que Montus, c'est bien, mais c'est cher. Hein, c'est normal, parce que c'est qualitatif. Mais à côté, il a une gamme qui est dynamique, qui est dans le temps, qui est sur des vins friands, qui sont des vins accessibles, des vins à consommer tout de suite, mais vraiment toujours sur cette notion, cette lignée de qualité. C'est ça qui nous intéresse. Alors on l'avait rencontré sur Bordeaux à l'occasion de la sortie de Vin Primeur, et ils mettaient en avant leur vignoble. On était ensemble, Maxime. C'était vraiment très sympa. Très belle écoute, des gens, les maîtres de chais chez lui, ainsi que l'ensemble de son équipe, extrêmement attentifs et qualifiés sur le vin. On sent qu'il y a de l'amour et de la passion dans tout ce qui est fait. C'est une référence. Voilà. Bon, je représente les vignobles du Sud-Ouest. Les vignobles du Sud-Ouest, c'est 43 appellations, 60 000 hectares de vignes, la moitié de Bordeaux, et 1300 viticulteurs qui vendent leur vin et 8000 viticulteurs qui cultivent la vigne. Non, j'ai la chance de représenter l'appellation numéro 1 du Sud-Ouest, qui est le Madiran, un vin de garde par excellence qui vieillit deux fois plus que les autres vins normaux nationaux. On dit qu'au bout de 20 ans, un vin est sur la pente déclinante, alors que les Madiran, c'est plutôt 40 ans. Et le Madiran, un cépage extraordinaire qui s'appelle le Tannat, dont on parle dans le monde entier aujourd'hui, parce que c'est le vin antioxydant qui contient la fameuse molécule, la prosiamidone, qui est contenue dans les polyphénols. Les polyphénols, c'est les tanins. Donc, c'est un cépage dont on parle beaucoup aujourd'hui. Voilà. Et parmi ce Sud-Ouest, j'ai la chance d'avoir mes deux domaines, Château Montus et Château Bouscassé, qui sont les deux numéro un du Sud-Ouest aujourd'hui et qui ont la chance de confronter les 10 plus grands vins dans le monde. J'aime parler du vin. J'ai aussi le titre de meilleur winemaker mondial, meilleur vinificateur mondial. Donc, j'aime parler du vin. J'aime parler de nouveaux concepts. Vous savez, on a parlé de la lutte raisonnée, de la biodynamie. Moi, j'ai un concept qui est bien plus en avance sur tous ces concepts-là. J'ai formé énormément de vignerons, de vinificateurs, d'œnologues dans le monde entier. Alors, j'aime parler du vin en général. Et sachez que ces soirées dégustation auront lieu chaque jeudi durant l'été prochain. 8 soirées au total sont programmées.